Bonjour, je suis Annick la comique. J'espère que tu vas bien. Approche ici. C'est des belles petites joues rouges que je vois là. T'es allée jouer dehors? Tu sais, dehors là, tu peux faire de beaux bonhommes de neige, des forts, des boules de neige. J'adore m'amuser dehors. Tout comme notre petit ours dans mon histoire. Est-ce que tu aimerais connaître mon histoire? Ça se passe dehors, dans la neige, avec une petite ours qui fabrique un bonhomme de neige. T'es prêt à entendre mon histoire? C'est l'histoire qui a été écrite par Trace Moroney aux éditions Scolastique. Alors, installe-toi confortablement car mon histoire va commencer maintenant. Petit ours et son bonhomme de neige. Au fin fond des bois, par un froid matin d'hiver, Petit ours dort dans son lit douillet. Elle se réveille, bâille, soudain, elle voit quelque chose du coin de l'œil. De gros flocons de neige cotonneux voltigent devant sa fenêtre. La première neige est arrivée. Petit ours glousse de plaisir. Personne n'aime autant la neige qu'elle. Petit ours s'habille à la course. Et met une tuque à pompons, un foulard rayé, un manteau bien chaud, des bottes d'hiver et pour finir, des mitaines. Puis, elle s'élance dans la neige blanche et poudreuse. Petit ours aime souffler des petits nuages dans l'air froid. Elle aime attraper des flocons de neige avec sa langue. Elle aime lancer des boules de neige. Elle aime faire des traces dans la neige et suivre celles des autres. Elle aime dévaler les collines avec son traîneau. Elle aime faire des anges dans la neige et surtout... Surtout... Elle aime faire un bonhomme de neige. Elle tasse la neige et forme une boule. Elle la fait rouler et la pousse. Puis, elle recule pour admirer son œuvre. Je crois qu'il manque quelque chose. Une famille de moineaux duveteux est venue regarder Petit Ours travailler et gazouille joyeusement. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petit écureuil arrive. Regarde, 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 petit ours, j'ai exactement
un bonhomme de neige a besoin d'yeux. » Bien sûr, s'écrie Petit Ours en battant des mains de plaisir. Mais je crois qu'il manque aussi autre chose. Les moineaux duvetés, duveteux gazouillent à toute allure. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petit lapin arrive. Regarde, Petit Ours, j'ai exactement ce qu'il te faut. Un bonhomme de neige a besoin d'un nez. Bien sûr, s'écrie Petit Ours, reconnaissante que le petit lapin lui offre l'une de ses précieuses carottes. Mais je crois qu'il manque encore autre chose. Les moineaux duveteux gazouillent à toute allure. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petite souris arrive accompagné de ses sept frères et sœurs. Regarde, Petit Ours, nous savons exactement ce qu'il te faut. Un bonhomme de neige a besoin d'une bouche souriante. Bien sûr, s'écrie Petit Ours en souriant. Mais je crois qu'il manque encore autre chose. Les moineaux duveteux gazouillent à toute allure. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petit renard arrive. Regarde, regarde, Petit Ours, j'ai exactement ce qu'il te faut. Un bonhomme de neige a besoin d'un foulard. Bien sûr, s'écrie Petit Ours en admirant le foulard coloré que la maman de Petit Renard a tricoté. Mais je crois qu'il manque encore autre chose. Les moineaux duveteux gazouillent à toute allure. La nouvelle fait vite le tour de la forêt. Petite chouette arrive. Regarde, Petit Ours, j'ai la dernière chose qu'il te manque. Un bonhomme de neige a besoin d'une tuque. Bien sûr, s'écrie Petit Ours, le bonhomme de neige est fini. Enfin, presque. S'exclame Petit Ours. Il manque juste une dernière chose. Elle se précipite dans sa maison et ressort avec un objet très spécial. Et voilà, dit Petit Ours, ravi. J'ai exactement ce qu'il faut.
elle met la touche finale. Les moineaux duveteux gazouillent la nouvelle à toute allure. Les animaux de la forêt ont fait le plus beau bonhomme de neige jamais vu. Au fin fond des bois, par une froide soirée d'hiver, petit ours s'étire. Bâille et s'endort. Ainsi s'achève l'histoire de Petit Ours et son bonhomme de neige aux éditions scolastiques par Trace Moroney. J'espère que mon histoire t'a plu. Moi, je te souhaite de faire tout plein de beaux bonhommes de neige cet hiver et n'oublie pas, je te fais un beau cœur, comme celui de Petit Ours. Je t'envoie des bisous, des câlins, et je te dis à la prochaine. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube, Annick Bricot. Bye bye, à la prochaine!